Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Aujourd'hui, nous continuons avec l'élément panneau. Okay. Donc, cet élément qui est important pour la création de votre site web. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrière-plan. Comment est-ce que vous changez la couleur d'arrière-plan, les photos, etc. On va parler de ça. Donc, par exemple, là, vous avez votre panneau. Ça a une couleur grise. Hein. Supposons que cette couleur ne vous plaise pas. Tout ce que vous avez à faire, hein, c'est d'aller sur la fonctionnalité. Donc, je vais revenir là, comme ça, pour vous montrer, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, comment vous faites pour retrouver cette fonctionnalité. Donc, vous cliquez sur le panneau, vous cliquez dans le vide, et vous allez sur le crayon, et là, il ressort. OK? Et là, on est en train de travailler actuellement sur paramètres d'arrière-plan. Et on va dessus, donc, on veut changer la couleur du panneau, parce que ça ne nous plaît pas. Et là, on va aller, peut-être que c'est le bleu qui nous plaît, on va aller là-dessus. OK? Vous mettez la couleur que vous voulez, hein, vous avez le choix, d'accord? Autre chose, hein, vous pouvez également créer des dégradés. Dégradé, c'est quoi? Qu'est-ce que j'entends par dégradé? C'est utiliser deux couleurs. Par exemple. Là, première couleur, je vais être dans le, ok, peut-être dans le jaune. Et deuxième couleur, je veux que ça soit dans le bleu plutôt, d'accord? Et je peux jouer avec ça. Donc ça, c'est des effets que vous pouvez créer. Après, les dégradés, il se peut que sur les mobiles. Donc attention, l'arrière-plan de type dégradé est incompatible avec l'image d'arrière-plan. Bon, ça, c'est par exemple, si vous ajoutez une image, ça ne va pas marcher. Bon, des fois aussi, bon, on avait entre-temps des messages, hein, comme quoi, sur les versions mobiles, ça peut ne pas bien marcher, etc. Mais vous pouvez faire le texte. Mais sachez que ça, c'est une fonctionnalité qui marche, en tout cas, sur les versions PC. Très très bien. Vous pouvez également, au lieu d'utiliser une couleur, hein, vous pouvez par exemple chercher à vouloir mettre une image. Donc pour cela, hein, vous cliquez sur image comme je viens de le faire. Et une fois que c'est fait, vous irez chercher l'image qui vous intéresse, que vous voulez mettre à la place de la couleur. Donc là, nous, on va mettre n'importe quelle image, juste pour le fun. Ce que vous voulez faire en fait, c'est de mettre des images format paysage sur les panneaux, plutôt aller sur quelque chose de 1500 pixels par 800 ou par 900 et de ce genre. Ok, donc là, au lieu qu'on ait une couleur, on a plutôt une image d'arrière-plan. Ok, donc ça c'est des choses que vous pouvez faire avec votre panneau. La prochaine fois, bon, vous avez aussi la possibilité d'importer une image, hein, en mettant le lien de l'image, et puis la façon dont vous voulez que l'image soit sur votre panneau, vous pouvez jouer, hein, avec ça si vous le souhaitez. Après aussi, supposons que je veux que l'image reste fixe, hein, ou plutôt l'image reste fixe quand je vais scroller ma page, hein, je peux cliquer sur ce bouton et là l'image va rester fixe quand les gens vont scroller, au fait. Ça, ok, c'est l'effet que ça fait. Si je veux que tout défile ensemble, ça fait ça. Ok. La prochaine fois, nous allons parler d'une autre fonctionnalité, toujours dans le même sens. Vous avez vu qu'il y a paramètres d'arrière-plan, il y a paramètres d'arrière-plan centre. Donc, on parlera de ça dans notre prochain épisode. Nous avons créé une plateforme de formation gratuite, hein, pour vous aider à développer, à créer votre site internet. Si c'est le cas, si c'est ce que vous voulez faire. Allez sur notre site internet adwde.fr et scrollez vers le milieu de la page et vous aurez commencé ma formation et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Sachez que vos questions et vos remarques sont les bienvenues. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux en vous abonnant à nos comptes et pages, hein, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Et on se retrouve pour une prochaine présentation. Au revoir.